Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Ahmed, de Marc Blatay, de Sarah Frézou. Vous les connaissez certainement tous, Ahmed et Sarah Frézou, ce sont deux candidats emblématiques de la télé-réalité française et Marc Blatay, c'est un blogueur très populaire. Comme vous le savez, il y a quelques mois, Sarah et Ahmed ont décidé de se séparer, mais ils n'ont jamais donné la raison de leur rupture. Dans cette vidéo, Ahmed Haroun, le boxeur qui fait peur à tout le monde, a enfin décidé de sortir du silence et il a critiqué Sarah. En effet, selon lui, Sarah est une manipulatrice qu'il a maltraitée pendant plus de 2 ans et il est très content de l'avoir quittée. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications de Ahmed et n'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je connaissais pas moi l'amour, je connaissais pas être en couple, je connaissais pas quitter mon cocon familial parce qu'à 22 ans, frérot, je me suis mis avec elle à 22 ans, j'ai quitté ma famille avec qui j'ai grandi. Moi, j'ai grandi avec ma grand-mère, j'ai grandi avec mes tantes. C'est ma grand-mère qui m'a élevé, moi et mes tantes, tu vois ce que je veux dire? Parce que ma mère a travaillé et mon père il était allé en Algérie. Mon père n'était pas encore ici en France, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ma grand-mère qui m'a élevé. Du coup, ça m'a fait, tu vois, ça m'a fait chelou de partir de chez moi. Tu vois, je suis parti avec ma mère, je dis maman, voilà, je suis avec une fille et tout, je l'aime bien, je l'apprécie, etc. etc. Va falloir que je parte, tu vois. Va falloir que je parte. Ma mère, elle me dit, mon fils, t'as pas besoin. Et aujourd'hui, du moins, parce qu'au-delà de ça, les gens ils disent maintenant que t'es certifié, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vais t'expliquer. En fait, moi, avant de rencontrer Sarah et avant de faire de la télé, il faut savoir que je suis un sportif de haut niveau, je suis un boxeur pro, tu vois, je suis boxeur pro, je suis en équipe de France, je fais de la boxe thaï. Et j'ai été certifié en tant qu'athlète, tu vois, pas en tant qu'influenceur. Et j'ai été certifié bien après que je me suis séparé de Sarah. Donc ça, il faut que les gens, ils l'enregistrent. C'est par rapport à ma fédération de boxe, c'est par rapport à mon club de boxe qui ont fait la demande. Et du coup, c'est vrai que tu n'es pas certifié influenceur. C'est vrai, tu es en tant qu'athlète. Parce qu'avant tout ça, je suis boxeur pro, tu vois, je suis sportif de haut niveau, ma vie c'est la boxe, tu sais, t'as pu un peu voir, tu connais mon entourage et moi je suis à fond dans la boxe. Donc il faut que les gens, ils se disent qu'ils arrêtent tout ça de Ahmed, ouais, t'es avec Sarah pour le buzz, pour l'autorité. Non, non, Sarah c'est une fille que j'ai aimée, c'est une fille que j'ai aimée et ça personne ne pourra me l'enlever, tu vois. En tout cas, tu as eu le courage, frérot, en tout cas, de te mettre avec elle et d'assumer devant la France entière et surtout de la prendre en mariage. Et on sait que les femmes, elles aiment d'avoir des actes concrets. Aujourd'hui, toi, tu en as fait, en tout cas, vis-à-vis d'elle. Il y a cette vidéo-là qui est sortie. Donc là, tu nous as expliqué le comment du pourquoi. Il y a eu ce passage-là. Et autre chose aussi, c'est apparemment, il y a eu des histoires de coups de poing. Tu vois, des histoires de comme quoi tu aurais fait une émission avec elle et tu aurais voulu lui mettre des coups de poing dans le ventre pour la faire avorter, etc. Apparemment, il y a des témoins, donc je sais pas. Et ça, il y a aussi, juste avant ça, tu répondras après. C'est quoi cette histoire de coups de couteau, frérot? Il y a une histoire de coups de couteau. J'ai rien compris. Ouais, et d'ailleurs, c'est quoi cette histoire de coups de couteau? S'il te plaît, déjà, c'est la cicatrice que j'ai là, tu vois. Déjà, même ça, je me demande. Comment elle a pu en parler, tu vois, ça reste dans l'intimité, frérot. Tu peux pas en parler. J'ai un père, j'ai une mère, tu vois, j'ai une sœur, j'ai des frères. Je sais pas comment elle a pu en parler, tu vois. Là, j'ai honte d'en parler de cette histoire, mais j'ai pas le choix. Je vais devoir la raconter de A à Z. Écoute-moi, Marc, enregistre bien, écoute bien ce que je vais te dire parce que cette histoire, je vais te la raconter comment elle s'est passée de A à Z et tu vas être choqué et que Dieu m'en soit témoin par Allah que tout ce que je vais te dire, c'est la vérité, frérot, de A à Z. Je t'explique. Alors, en détail, hein. Un soir, madame a voulu sortir. On était à la maison, elle était avec ses deux meilleures amies, tu vois. Mais vu que c'était vers la fin, tu sais, moi, c'était un ras-le-bol, je ne pouvais plus sortir avec elle parce qu'elle ne savait pas se tenir, frérot. Elle n'avait pas de comportement. Dès qu'elle sortait, elle commençait à boire, ça partait en. Tu sais, elle commençait à me taper, ça partait en embrouille, les disputes, les insultes, à me rabaisser, à me critiquer. Du coup, vers la fin, j'en ai un ras-le-bol. Donc, moi, je lui dis quoi? Je lui dis, si tu veux sortir, regarde, Sarah, sors avec ton meilleur ami. Juste, s'il te plaît, quand tu rentres, me fais pas mal à la tête, tu vois. Moi, je suis resté à la maison, j'ai mis mon casque, je vais l'appeler avec mes potes, tu vois. J'étais tranquillement. Je dis, Sarah, sors si tu veux sortir, mais quand tu rentres, s'il te plaît, tiens-toi correctement, tu vois. Parce que moi, je savais qu'elle allait rentrer bourrée, que ça allait encore des histoires, et ceci, et cela, et ceci, cela. Donc, de là, elle sort, elle fait sa soirée. Donc, moi, je dors pas jusqu'à 7 h du matin, je dors pas, Marc. Parce que j'attends que Sarah, elle rentre, tu vois.
J'attends qu'elle rentre. Comme ça, quand elle est à la maison, je peux dormir tranquille. Je me dis qu'elle n'a pas fait un accident sur la route bourrée. Elle n'a pas fait une dinguerie. Il ne s'est pas passé quelque chose de mal. Tu vois ce que je veux dire? Donc, jusqu'à 7 heures du matin, je l'attends. Et vu que je suis un bonhomme, qu'est-ce que je fais à Sarah? C'est un détail, hein, mais je te raconte tout en détail. Là, c'est comme si c'était hier. Je me rappelle comme si c'était hier. Je lui commande des pizzas, tu vois, parce que je sais qu'elle va rentrer, elle va avoir faim. Tu vois, elle va être fatiguée. Je lui commande des pizzas, je lui commande à boire, je lui pose des pizzas. Je me dis, elle va rentrer sa soirée, elle va être tranquille. Elle rentre de la soirée. Je lui dis, tiens, voilà, Sarah, je t'ai commandé des pizzas, t'as faim, mange tout ça. Arrête avec son pote. Écoute bien ce que je vais te dire, frérot. Faut que t'écoutes bien. Elle vient me voir, elle me dit, pourquoi tu t'es changé? Je lui dis, comment ça, pourquoi tu m'as changé? Je me suis changé, je me suis douché, je me suis mis en pyjama, c'est tout. Pourquoi tu t'es changé? Écoute bien, Hachek, ce que je veux dire, et désolé à tous ceux qui vont entendre, tu vois. Elle me dit, qu'est-ce que t'as fait? Hachek, tu t'es un, tu vois, t'as compris ce que je voulais dire? Oh, tu t'es les bras, tu vois, t'as fait quoi, Hachek, toi? Je lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Je t'attends depuis tout à l'heure, je t'attends, je suis sur la play avec mes potes, j'attends que tu rentres pour que j'aille dormir tranquillement. Donc là, ça part en histoire. Tu vois, ça part en histoire. Elle rentre bourrée, elle commence à crier, à me faire mal à la tête. Parce que tu as changé de vêtements. Parce que j'ai changé de vêtements. Parce que quand j'étais à la maison, qu'elle est sortie, je t'habillais. Et moi, entre-temps, je me suis juste douché. Tu sais, comme un être humain normal. Je me suis mis en pyjama et je me suis mis devant la télé. Sauf que madame, ça n'avait pas plu que je me suis changé, que je me suis mis en pyjama. Elle s'est mise dans une paranoïa. Comme quoi, j'avais fait quelque chose, j'avais appelé devant son visio, etc. Bref, comme à son habitude. Donc, moi, ras-le-bol saoulé, tu sais, je me lève. Calmement, toujours Marc, je me lève calmement, je vais dans la chambre, je l'ignore. Tu vois, je m'enferme dans la chambre, et elle pète les plombs, elle vient à la chambre, elle commence à taper à la porte. Tu veux pas ouvrir, je veux pas ouvrir. Moi, Marc, frérot, ça fait 7 heures que je t'attends, t'as vu, pour que tu rentres, je voulais juste dormir, j'étais fatigué, t'es rentré, maintenant au revoir, laisse-moi dormir. Elle commence à taper à la porte, elle veut casser la porte, j'ouvre pas. Elle dit, ah ouais, tu veux pas ouvrir? Écoute bien, tu veux pas ouvrir? Ok, d'accord. Mais quand elle fait ça, moi, je sais ce qu'elle va faire, tu vois, elle va se faire du mal. Tu vois? Donc, elle court, elle va dans la douche, elle prend des rasoirs et elle s'enferme dans la douche. Tu vois? Et par Allah, c'est ce que je te raconte, Marc, hein, Wallah, que Dieu m'en soit témoin, qu'il m'arrive des malheurs, et toute ma famille à la maison, tout ce que je te raconte, c'est la stricte vérité, frérot. Elle s'enferme dans la douche, elle commence à se tailler des veines. Tu vois? Elle commence à se tailler des veines. Donc, moi, je cours, je tape à la porte avec son meilleur ami qui était avec moi. Tu vois? Son meilleur ami qui était avec moi, je dirais pas c'est qui son prénom. Je commence à taper, j'essaie d'enfoncer à la porte, mais impossible d'ouvrir la porte. Donc, je sais pas, je suis avec son meilleur ami, je lui dis, s'il te plaît, fais quelque chose. Appelle son frère, appelle sa mère, appelle son père. Elle va faire une dinguerie, tu vois. J'y fais quelque chose. Fais quelque chose. Faut pas rester enfermé comme ça. Du coup, je pète les plombs, je me barre. Ça y est, j'en peux plus. J'en ai ras le bol, tu vois, mort, j'en ai ras le bol, je peux plus. Je peux plus ces situations-là. À chaque fois que je voulais la quitter, madame, c'était quoi? C'était chantage affectif, pression psychologique, si tu pars, un suicide. C'est pour ça que ça a duré. Très très longtemps, moi, Sarah. Parce qu'à chaque fois que je voulais partir, eh ben, c'était comme ça. J'étais prisonnier d'un truc où je ne pouvais pas sortir. Tout le temps, quand je voulais partir, elle voulait se suicider. Donc, je termine l'histoire. Je prends mes affaires, je prends mon sac à dos, je me dis, tu sais quoi, je vais lui faire une fin. Je dis, tu sais quoi, je pars, je me casse de la maison. Je me cache, je peux plus être avec toi, c'est pas possible. Tu es malade, tu es une psychopathe, faut te faire soigner. Tu veux pas, à chaque fois que je veux partir, te suicider, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire, Marc? C'est pas chez nous, je peux pas faire ça. Donc, je décide de partir et de là, elle sort. Elle entend que je pars, elle sort de la douche, elle va dans le salon, écoute bien la folie. Elle sort dans le Elle salon, s'était taillée les veines alors ou elle pas? a taillé les veines là, elle me dit regarde, voilà ce que j'ai fait. Tu vois, mais moi, Marc, je la regarde, je sais plus quoi faire, je sais plus quoi dire, parce que je suis, ça y est, j'ai plus de force. Je me dis, mais c'est quel cauchemar que je suis en train de vivre. Donc, à partir de ce moment-là, je lui dis, je la regarde, je lui dis, stop, Sarah, stop, stop. Viens, viens, toi et moi, on ne s'entend plus, viens, on arrête. Et vas-y, chacun fait sa vie, s'il te plaît. Toi et moi, on ne supporte plus, on n'arrive plus. Ça y est, fin. Donc, je dis, je pars. Elle me regarde. Écoute-moi bien, Marc. Elle me regarde, elle prend le rasoir, elle se le met sous la langue. Elle dit, si tu pars, je l'avale. C'est ce que tu veux? En sachant qu'elle s'était déjà taillé des veines, hein, juste avant. Elle prend le rasoir, elle se le met sous la langue. Elle dit, si tu pars, j'avale le rasoir. OK? Donc, je la regarde, je suis dépité, Marc, je ne sais plus quoi faire. Je la regarde, je suis comme ça. Je lui fonce dedans, je lui fonce dessus, je lui fonce, je l'attrape, je la saisis, j'essaie de lui ouvrir les mains, parce que en fait, le rasoir, j'ai réussi à le dégager, elle l'a mis dans la main, tu vois. Et elle criait, lâche-moi, lâche-moi, je vais me suicider, lâche-moi. Donc je lui arrache le rasoir, tu vois, j'arrache le rasoir, j'ai réussi à l'enlever, je m'ouvre un peu les mains, mais bon, rien de grave, tu vois, je lui arrache le rasoir. Je cours dans la cuisine pour enlever les couteaux, tu sais, les gros couteaux là. Je cours parce que je me dis dans sa folie, elle va partir dans la cuisine, elle va prendre les couteaux et elle va faire une dinguerie, tu vois.
Je cours dans la cuisine, je prends les couteaux, je prends les ciseaux, je les cache. Tu vois, j'arrive à les cacher. Elle vient dans le salon, sauf que moi, j'ai pas eu l'intelligence de prendre les couteaux à pain. Tu vois, j'ai pas pensé à prendre les couteaux à Le pain. couteau rond à tartiner. Voilà, les couteaux pour tartiner le beurre, pour les tartines. Donc elle prend le couteau à pain, elle prend le couteau à pain, et elle commence, elle dit, eh ben, tu sais quoi, je vais me tuer aujourd'hui. Je dis, mais pourquoi? Mais pourquoi? J'essaie de comprendre. Je dis, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Elle prend le couteau à pain. Elle commence à se mettre un coup dans le ventre. Deux coups, sauf qu'elle voit que, tu vois, le couteau à pain, ça fait rien. Ah, ça, Donc elle prend le ça couteau. rentre pas, ça rentre pas. Ouais, ça rentre pas. Elle prend le couteau à pain, elle se met sur les veines, elle essaie de se déchirer. Elle n'arrive pas. Donc, à un moment donné, elle prend de l'élan. Mais beaucoup d'élan. Elle prend beaucoup d'élan, frérot. Je me suis dit, là, ça peut être dangereux, tu vois. Elle prend beaucoup d'élan. Elle veut se rentrer le couteau dans le ventre. Sauf que moi, en fait, t'as vu, je sais pas quoi faire, frérot. Je suis face à une fille qui est hystérique, qui veut se suicider, qui prend des couteaux, qui prend des trucs, je sais pas quoi faire. Donc je regarde son père ami, je dis, s'il te plaît, fais quelque chose, appelle son père, appelle sa mère. Je peux plus, j'arrive plus à gérer la situation. On est à Dubaï, c'est dangereux. T'imagines un peu le truc ou pas, frérot? Oh, C'est dinguerie, incroyable ce qui dinguerie, se passe. Donc elle prend un élan, elle prend le couteau, elle veut se le rentrer dans le ventre, frérot, et je cours. Et je mets ma main, elle me plante la main. Tu vois ce que je veux dire? En fait, pour la protéger, je mets ma main, elle me plante la main, et c'est de là que j'ai cette cicatrice. Tu vois. Elle me plante la main, et l'ouverture est très profonde, frérot. C'est-à-dire que je vois mes muscles, je vois mes veines. crois qu'elle a Et posté là, une photo hier de quand ouais, c'était à vif. Elle a posté. je t'enverrai la vidéo. J'ai la vidéo, moi. C'est moi qui l'ai envoyée. Donc elle me plante la main. Elle me plante la main parce que j'ai voulu la sauver. Tu vois, elle me plante la main. Et de là, le sang, il gicle de partout. Tu vois, là, dans ma main, là, le sang, j'ai eu 4 points de suture. Le sang, il gicle de partout, frérot. Il gicle de partout. Donc à ce moment-là, je me dis quoi? Peut-être qu'elle m'a réalisé qu'elle a été trop loin, tu vois, parce que vu qu'il y a plein de sang partout, donc je commence à jouer à la comédie, tu vois, je commence à lui dire, regarde, ça y est, tu m'as ouvert les veines, il va m'arriver une dinguerie, etc., pour que, tu sais, qu'elle reprenne ses esprits, tu vois, et en fait, elle voit qu'il y a tellement de sang, parce que je te dis, ça a giclé, frérot, ça a giclé partout dans la maison, du sang partout, elle voit qu'il y a tellement de sang, elle commence à reprendre ses esprits. T'as compris? Et c'est de là l'histoire du coup de couteau, c'est de là. Parce que madame est rentrée bourrée de soirée et elle m'a fait une Merci à toi misère. d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.